Hello hello, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui sera un nouveau vlog. Donc j'ai décidé de vous prendre avec moi pendant 5 à 7 jours, un truc comme ça. Donc ce sera un mini vlog sur une toute petite semaine. Ce sera le vlog sur ma semaine de retour au boulot. Ce genre de choses qui me motivent bien en fait quand je dois reprendre le boulot. Justement de me plonger dans des lectures un peu différentes. Et je commence ce vlog avec une lecture que j'ai déjà terminée. J'ai terminé un livre aujourd'hui que j'ai lu également en liseuse. Je dis également parce que dans le dernier vlog, c'est vrai que j'ai lu beaucoup sur liseuse comme j'étais en déplacement. Je suis partie toute la journée hier. J'avais pas mal d'heures de voiture. Je ne conduisais pas, hein, rassurez-vous. Et du coup, j'ai eu l'occasion quand même de lire une grande partie d'un roman et je l'ai terminé ce matin. Il s'agit d'un thriller, d'un drame psychologique plutôt, et je suis en train de chercher le titre parce que comme d'habitude je l'ai oublié. Hein. J'ai donc lu... Où est-ce qu'il est ? Oui, oui. La nuit des anges de Anna Tomasi. Alors c'est un livre dont vous avez certainement déjà entendu parler. Sur plusieurs chaînes, j'en ai entendu plutôt du bien. C'est un livre dans lequel on va suivre un personnage féminin qui est la maman d'un jeune garçon qui est atteint d'un trouble du spectre autistique. Donc il est, voilà, il a 11 ans je crois, 9 ou 11 ans, je ne sais plus quel âge il a exactement. Et elle s'occupe donc de son fils, elle vient de se séparer de son mari, elle est en procédure de divorce. Et elle décide de retourner chez ses parents pour un petit moment, pendant des petites vacances avec son fils, puisque un de ses anciens camarades de classe est mort d'un accident de voiture. Et donc elle va aller là-bas pour l'enterrer. Mais elle va aussi en profiter pour revoir ses parents qu'elle n'a pas vu depuis longtemps. Quand elle retourne en Bretagne, elle a une petite appréhension parce que la Bretagne c'est là où elle a vécu quand elle était enfant, et alors qu'elle avait 10 ans, elle a perdu sa meilleure amie qui s'appelait Victoire. Victoire c'était une jeune fille avec qui elle s'amusait beaucoup, c'était vraiment sa meilleure amie, sauf qu'un jour Victoire a disparu, donc il y a eu... on sait pas trop ce qui s'est passé, mais en tout cas visiblement elle a été enlevée et donc on n'a jamais retrouvé le corps de Victoire. Et donc quand elle retourne là, elle est un petit peu triste, surtout qu'elle recroise Teddy, le frère de Victoire, avec qui elle a eu une aventure quand elle était plus jeune, et il s'était quitté un petit peu en froid, et donc quand elle le retrouve plutôt avec plaisir, mais il y a certaines petites appréhensions, des souvenirs du passé, etc. Et forcément quand on parle de disparition d'enfant, il y a quelque chose qui va ressurgir puisqu'il y a une nouvelle petite fille qui va disparaître et de nouveaux éléments concernant Victoire vont apparaître également. Donc on parle vraiment de cette ancienne disparition mais aussi de nouvelles disparitions. Donc ici on n'est pas au sein d'une enquête policière hein, puisque ce ne sont pas vraiment des policiers qui enquêtent, c'est vraiment notre héroïne qui va chercher des petits indices, mais... voilà, on n'a pas que cette recherche autour du personnage de Victoire, mais on a aussi la vie de famille de notre héroïne, la manière dont elle gère le trouble de son fils, puisque c'est pas facile tous les jours pour elle voilà, de vivre avec un enfant qui est atteint d'un trouble autistique. Et donc on voit comment elle le vit dans la vie tous les jours, comment elle le vit face au regard des autres, comment elle le vit aussi avec ses parents qui n'ont pas l'habitude de ce trouble également. Ce qui est intéressant, c'est que régulièrement, au fur et à mesure, on a des rapports d'un psychiatre qui va interroger un enfant, et on voit dans ce rapport de psychiatrie que l'enfant, visiblement, a très peu de remords. On ne sait pas qui c'est cet enfant, mais on se doute que ça va être une révélation de notre histoire. Alors, je pense que j'ai un peu tout dit pour le résumer. C'est un livre que j'ai, dès les premières pages, énormément apprécié. C'est très sensible au niveau de la psychologie des personnages. J'ai senti tout de suite que l'autrice, visiblement, connaît très bien son sujet et la manière dont elle parle de cette relation entre cette maman et ce fils qui a un trouble est très bien faite, très sensible. Et ça, j'ai tout de suite trouvé dès les premières pages. Et donc, j'ai été tout de suite embarquée dans cette histoire. Et la manière dont elle retrouve son père aussi, j'ai trouvé ça très naturel, très bien fait. Et moi, c'est vraiment ce que je recherche dans un thriller, dans un roman, un drame psychologique. C'est vraiment ce que j'aime quand c'est réaliste. J'ai vraiment été bien happée par cette histoire. C'était vraiment une enquête intéressante, même si, évidemment, c'était... très classique, puisque on a vraiment une histoire qu'on a déjà vue sous plusieurs formes différentes, mais c'est une histoire qu'on a déjà vue et revue, des histoires de disparition d'enfants, enfin voilà, j'en ai lu beaucoup, il y en a beaucoup qui se ressemblent, et c'est vrai que c'était pas hyper innovant au niveau de tout ce qui se passe dans le roman, mais ça se lisait bien, c'était vraiment une agréable lecture. Maintenant, et c'est quelque chose que je vous dis tout le temps, vous avez l'impression, j'ai l'impression de me répéter à chaque fois, mais il n'y a rien à faire.
j'ai deviné des trucs et j'en ai marre, j'en ai vraiment trop marre. Vous en avez marre d'entendre ça, mais je crois que cette fois-ci, vraiment, l'autrice n'a pas été très subtile dans les révélations. Alors peut-être qu'elle l'a fait exprès, hein, je ne sais pas, mais dans les indices qu'elle nous donne, je trouve qu'ils sont hyper flagrants. Et heureusement, j'ai été voir dans des chroniques d'autres personnes et visiblement, je suis pas la seule à avoir trouvé les indices plutôt flagrants assez vite. On a quand même quelques indices, des choix en fait que va faire l'autrice qui sont des indices. Alors, comme d'habitude, c'est pas très grave de deviner des choses, surtout quand c'est un peu subtil, mais ici c'était pas subtil du tout. Et du coup, là, c'est ce qui fait que ce sera de nouveau pas un coup de cœur. Écoutez, je vais vous laisser là, je vais faire ma youtubeuse hyper cliché, je vais aller boire mon matcha latte, je suis team matcha, je sais qu'il y a plein de gens qui détestent ça, mais moi je fais partie des gens qui aiment bien ça, qui adorent ça même, et donc voilà, je vais aller faire ça. Voilà, je vais vous laisser tranquille, et je vous fais de gros bisous, et je vous dis à bientôt en plein milieu de vlog, hein, je ne sais pas pourquoi. Je vous reprends un petit peu plus tard, on est vendredi, ça fait un petit moment que je vous ai pas pris puisque j'ai lu 3 livres entre temps. Donc j'ai terminé un livre, j'en ai terminé un autre et j'ai lu une BD. Donc j'ai lu 3 choses. Alors, en général, quand je vous parle de livres en point lecture, c'est toujours après les vlogs. Et donc je vous avoue que j'ai un peu du... j'ai pas très envie de me répéter tout le temps parce que je viens de parler en point lecture de ces 2 livres-là. Et je trouve que ça n'a pas de sens dans cet ordre-là de vous parler de ces lectures. Je trouve ça chouette quand je fais un vlog et puis quelques semaines après je fais le point lecture. La vie en général il y a un peu plus de recul. Mais si je viens de filmer le point lecture, je vais dire exactement la même chose. Donc je vous ramène à mon point lecture dans lequel je vous parle d'Arbre de l'oubli. J'ai lu aussi les 5 Conteurs de Bagdad qui m'a été prêté par nos amis qui nous prêtent régulièrement des livres. Livres que j'oublie souvent. Parce que je les mets maintenant, je fais super attention, j'ai tellement peur en fait de les abîmer que je les mets dans un petit sac et je les mets dans un petit coin. Et donc je les oublie un peu, c'est pour ça que je les lis pas tout de suite. Et donc j'avais envie d'enfin pouvoir le rendre au moins un des livres qui est Les 5 Conteurs de Bagdad. Pareil, j'en parle dans le prochain lecture qui est sorti dimanche. Mais je vais quand même vous parler d'une lecture, puisque j'ai terminé un thriller. Et celui-là, je vous avais dit dans le point lecture, je vais pas vous en parler. Je vais vous en parler dans le vlog et j'attendrai une ou deux semaines avant d'en faire un point lecture pour un peu digérer cette lecture quand même parce que c'est un thriller, comment dire, je vais essayer de retrouver le titre d'ailleurs parce que comme à chaque fois quand je lis sur les oeufs j'ai un peu zappé. La part du démon de Mathieu Le Serre. Alors, la part du démon de Mathieu Le Serre, de quoi ça va parler? On va suivre une enquête autour de la découverte d'un cadavre dans un lac, donc on va découvrir une femme nue dont les poignets ont été sciés et cette découverte va mener à une enquête évidemment. On va suivre une enquêtrice, le lieutenant Esperanza, je ne sais plus son nom de famille, Doloria il me semble. Waouh Isabelle, t'as retenu? Non mais je suis impressionnée de moi-même. Esperanza Doloria qui va arriver sur cette enquête, alors c'est un peu particulier parce qu'elle arrive sur place et en fait elle se trompe
de lieu de crime. Donc elle arrive sur un lieu de crime dans un hôtel, sauf que ben, la femme, le cadavre qu'on a retrouvé, c'est près d'un lac, et donc elle se trompe, et donc elle rencontre un autre lieutenant. Et donc elle arrive, après on la redirige, elle arrive sur le lieu du crime, et elle rencontre donc son coéquipier qui est Manuel, donc il lui propose de l'appeler Manny, qui va mener cette enquête. Et donc, on va suivre un petit peu l'arrivée de cette jeune Esperanza dans cette équipe, sa collaboration avec Manny, et je le précise parce qu'en fait, ça prend quand même pas mal de place dans l'histoire. Un moment, ils vont boire un verre, ils vont discuter, enfin voilà, je pense vraiment que cette relation entre ces deux personnages prend pas mal de place, je vous en reparle un petit peu plus après. Au niveau de l'enquête, la direction va vers un monastère. Non, c'est pas un monastère, bah un endroit. Je sais quoi? Moi, je crois que c'est un monastère. On va se poser pas mal de questions parce que cette femme, visiblement, est une sœur. Alors, ce récit. Le gros, gros point positif de ce récit, je pense, c'est sa construction, qui est en même temps un énorme point positif parce qu'il est surprenant, elle est surprenante, mais en même temps un point négatif parce que c'est ce qui a provoqué mon décrochage de cette lecture. En effet, je vais essayer de pas trop dévoiler, mais c'est vrai que les auteurs ont pris le parti, non l'auteur, c'est une personne, a pris le parti de faire un changement dans la narration. Ce changement de construction est très perturbant, c'est très original, ça c'est clair, mais c'est très perturbant. Et donc, je trouve vraiment que cette construction est vraiment originale. J'ai relativement bien aimé la relation entre Manny et Esperanza, mais ceci dit, j'ai été un peu frustrée. Parce que justement, elle prend une certaine importance dans le récit, surtout dans la première partie du récit. Et justement, je commençais à m'habituer à eux. Je commençais à m'attacher à eux. Et d'ailleurs, l'auteur nous donne presque l'impression qu'il y a une certaine ambiguïté entre ces personnages. Et en fait, le livre change, et du coup, moi, je n'avais plus mes personnages que je commençais à vraiment apprécier. Et j'ai été déstabilisée parce que j'aimais bien mes personnages, et pendant tout un moment, je ne les avais plus. Et donc là, je suis vraiment déçue parce que j'ai décroché, en fait, à partir de ce moment-là. Et vous allez me dire, oui, mais Isabelle, tu lis un policier, une enquête, tu lis pas ça pour les personnages. Mais oui, mais c'est ce qui m'intéressait dans cette lecture, parce que je n'ai pas trouvé l'enquête particulièrement intéressante. Déjà, je n'aimais pas tellement le style, je n'ai pas autant accroché que pour le Anatomasy, par exemple, où j'étais tout de suite dedans. Au début, moi, je trouvais que c'était assez maladroit, certaines choses qui se disent. Les choix de certains personnages, Esperanza qui fait des choix totalement bizarres, on s'attend à avoir un peu plus d'explications sur le passé de ce personnage parce que visiblement elle semble importante. Et en fait, j'ai été très frustrée en fait avec cette lecture. Je pense vraiment que le sentiment principal avec cette lecture, c'est la frustration. Moi, je lisais le livre pour les personnages et plus pour l'enquête. Et donc, le changement, effectivement, pouvait m'apporter d'autres réponses à cette histoire. Mais non, je... Voilà, je suis un petit peu. J'étais perdue, et du coup, à partir de la deuxième partie du récit, je m'en fichais, mais vraiment de tout ce qui se passait. Mon seul intérêt, c'était les personnages, et l'enquête, j'en avais rien à péter, et quand j'ai découvert les révélations. Voilà. J'étais blasée en fait en lisant cette lecture et donc je sais même pas vous donner un bon avis complètement objectif parce que j'étais tellement frustrée que j'en étais un peu méchante en lisant cette lecture. Je me disais mais oui mais je m'en fous de toi personnage. Il y a un personnage qui prend une importance à un moment dans le récit et je n'en avais rien à péter. Et donc j'ai été extrêmement frustrée dans cette lecture. Voilà. Du coup, j'ai envie de me lancer. C'est ça qui m'a fait me dire, mais j'ai envie d'une autre enquête avec d'autres personnages qui commencent à s'apprivoiser. Vous savez, deux enquêteurs qui commencent à s'apprivoiser. Et pourquoi pas une petite romance ou une amitié? Et du coup, j'ai un peu cherché dans la bibliothèque, je sais pas quoi lire en fait. Et je me demande si dans Furnerarium, on n'aurait pas une petite enquête. J'espère juste que je vais pas être déçue parce que bah, ça fait longtemps que j'ai envie de lire Funerarium, donc je vais peut-être me lancer là-dedans. Je sais pas si c'est exactement ce que je recherche, mais je vais peut-être me lancer là-dedans. Voilà.
un peu plus tard pour doucement et clôturer... C'était quoi ça ? Pour doucement et sûrement clôturer ce vlog, j'ai 3 livres dont je dois vous parler. J'ai lu 3 livres depuis la dernière fois. Donc je vais tout de suite commencer, comme ça c'est fait. Où sont ces livres ? Où sont ceux ? Le premier livre que j'ai lu, c'est un livre complètement barré qui s'appelle Funerarium, donc de Brigitte Aubert. C'est un livre qui, comme je vous dis, c'est complètement barré parce que dès le premier chapitre, en fait, on va suivre un thanatopracteur. Et moi, au début, je pensais que c'était un tueur tellement il kiffait. Genre, une de ses premières actions, c'est de couper le membre du mort dont il s'occupe. Donc, il est là, ouais, trop bien. Donc, je pensais que c'était un psychopathe, mais non, c'est le héros. C'est un thanatopracteur qui, en fait, donc embaume régulièrement des animaux, mais aussi, de temps en temps, des humains. Et là, on va le contacter, on va lui demander, « Gars, est-ce que tu peux embaumer ma fille qui vient de mourir ?» Donc, il y a une dame aristocrate, un peu bourge, doit lever tout ça, qui lui dit... voilà, ma fille est décédée, 4-5 ans, je crois, très très jeune. Et j'aimerais bien que vous l'embaumiez parce qu'on aimerait bien l'exposer dans la maison familiale. Donc lui, il est un peu surpris. Bon, il le fait, mais il explique en gros qu'il aime bien les morts dont il s'occupe. Mais la petite fille, ça le rend super triste. Et en fait, il découvre en fait que sur son dos, il y a des bleus et des anciennes cicatrices. Et donc, il se pose des questions. Il se demande si cette petite fille n'aurait pas eu des sévices ou... Voilà, parce qu'en général, voilà, quand tu as des bleus sur le dos, bah, c'est pas forcément un endroit où les enfants se font mal régulièrement, le dos. Hein, c'est pas un endroit accessible, et donc il se pose quand même des questions. Et donc il va un petit peu enquêter, et en même temps, il va être amoureux, enfin, il va tomber sous le charme de la jeune dame, dès le début, il va tomber sous son charme. Alors j'ai trouvé ce livre complètement barré, je vous en ai parlé comme tel sur Instagram, il me semble, parce que c'est un ton... assez piquant parce qu'on est en fait avec ce personnage principal, c'est pas écrit à la première personne du singulier mais c'est sous le prisme de ce, enfin ouais, sous le regard de ce personnage en fait qu'on suit toutes les rencontres et on voit ses sentiments face à la rencontre avec le personnage et il est un peu comme moi blasé de la richesse et dès qu'il rencontre quelqu'un d'un peu coincé, enfin il se permet des petites critiques dans sa tête qui sont assez drôles et en même temps il remarque en effet qu'il y a des gens qui sont super racistes avec lui. Il faut s'adapter, je trouve, à ce style, à ce côté un peu impertinent. Et ces moments, il y a des moments qui sont assez drôles. J'ai beaucoup ri, en fait, dans ce livre. Je sais pas si c'était le but, mais il y avait quand même quelque chose d'assez impertinent. Alors, c'est un livre qui a été écrit dans les années 2000-2002. Donc, il y a parfois certains termes qui peuvent un peu choquer. Alors, moi, ils ne m'ont pas choqué en soi parce que j'avais vraiment l'impression que c'était toujours sous le prisme de ce personnage. Et donc, on était dans la tête de ce personnage qui pense comme ça. Et j'ai pas vraiment l'impression que c'est plus que c'est l'autrice. En tout cas, c'est un livre que j'ai bien aimé, c'était super accrocheur, j'avais envie de savoir la suite. Bien sûr, c'est bien dégueulasse, puisqu'on suit un personnage d'anatopracteur, c'est pas Bisounours, les petites fleurs, quoi. Franchement, j'ai vraiment bien aimé. Là, il y a donc une enquête, il va faire sa propre enquête, et c'est complètement déjanté, parce qu'il y a beaucoup de choses improbables. C'est vrai que je vous dis souvent, oui, mais parfois, c'est pas probable. Ici, dès le début, c'est improbable. Enfin, il y a plein de choses. Le gars, il est thanatopracteur, il tombe sous le charme de la mère de la petite fille, cette femme est mariée, a des enfants, etc. Et lui, il est tout le temps invité dans cette maison, mais il est tout le temps là, quoi. À chaque fois qu'il se passe quelque chose, il est là, il est témoin, et c'est super drôle, parce que dans la vraie vie, bien sûr, qu'est-ce que ce thanatopracteur acteur viendrait foutre dans cette maison, enfin, c'est très très drôle, c'est quelque chose de très farfelu, j'ai trouvé ce livre vraiment très farfelu, le ton assez drôle, et ça m'a donné envie d'en lire d'autres de l'autrice, parce que il y a une manière de pas se prendre au sérieux, un côté un peu film, avec des petites piques, des petites touches d'humour qui m'ont bien plu, très impertinent comme je vous dis, et alors au niveau de la révélation, alors je suis pas sûre que tout le monde va la deviner. Je vous dis pas que je suis un génie, ce n'est pas ça, c'est simplement qu'il y a un détail qui m'a donné la puce à l'oreille en fait. Mais si vous faites pas attention, vous n'allez pas forcément trouver je pense. Et c'était vraiment une chouette lecture et ouais franchement j'ai bien aimé pour le côté justement, mais tout de suite en fait j'étais en mode second degré en fait, un petit peu avec cette lecture. J'ai bien aimé. Ensuite j'ai lu un graphique prêté par un de nos amis. Et en fait, ça a été une superbe découverte. J'ai lu Avant Louis de Lisa Blumen, publié chez l'Employé du Mois. Alors, j'avais lu Renard,
quelque chose comme ça. Je me souviens que je vous ai fait des plans, mais j'ai oublié de vous en parler de cette lecture, Renard. Et c'est un peu la même, c'est aussi un livre jaune, j'avais pas aimé, je pense. Et je me souviens même plus de quoi ça parle. Ici, par contre, j'ai adoré cette lecture. Je pense pas que c'est une lecture que je vous présenterai dans un point lecture, parce que j'aimerais bien la rendre un jour à la personne qui me l'a prêtée. Mais en fait, c'est un livre qui va nous parler vraiment de ce qui se passe quand on découvre que ça va être la fin du monde. Donc, c'est le même pitch que 10 jours avant la fin du monde de Manon Farguéton. Et en fait, on va suivre différents protagonistes, leur manière de réagir face à, à ces derniers jours. Je m'attendais pas du tout à me trouver dans une histoire aussi touchante, puisque tous ces personnages vont chacun avoir une réaction différente. T'as un personnage qui veut pas quitter sa maison, il y en a bien sûr qui font des fêtes de folie, il y en a là qui font tout pour oublier le moment, il y en a qui restent cloîtrés, il y en a qui veulent pas y croire, enfin voilà, il y a le déni, il y a toutes sortes de réactions, et j'ai trouvé ça très poétique. Les dessins sont assez simples, mais je trouve très adaptés, ça m'a énormément plu. Il y a des très très beau passage, c'est vraiment très touchant, je m'attendais pas à aimer autant, j'étais scotchée parce que je voulais lire ce livre un petit peu avant de dormir et puis le continuer le lendemain, mais en fait j'ai pas pu m'arrêter tellement c'était touchant, ces personnages étaient touchants, leur histoire, il n'y a pas beaucoup de mots qui sont utilisés et pourtant tout était dans la suggestion, dans les sentiments, dans l'échange entre différents personnages, on retrouve plusieurs fois les mêmes personnages. Franchement, j'ai vraiment bien apprécié, une chouette surprise que cette histoire qui s'appelle Avant l'oubli. Et alors, le dernier livre que je viens de lire, je viens vous en parler, c'est Le mystère Sammy Went. J'ai lu Le mystère Sammy Went de Kristen Wiig, vous avez compris, je suis dans une crise monomaniaque. Je lis aussi d'autres choses que du thriller, je vous montre juste après. Mais je suis un peu dans une crise monomaniaque, j'ai envie de lire du thriller. Ce livre, c'est un des meilleurs thrillers que j'ai lu dernièrement. Parce que justement, j'ai été surprise. Oui, oui, bravo, enfin. Donc on va suivre ici une histoire qui se passe sur deux temporalités. On va suivre l'histoire d'une jeune femme qui s'appelle Kimberly, qui est photographe. Et un jour, elle est contactée par un homme qui lui dit, écoutez, il y a des années, une disparition d'enfant. Et une petite fille de 2 ans, Sammy, qui a été enlevée. Et moi, je pense que c'est vous, Sammy. Et donc, elle se pose plein de questions. Elle dit, mais de quoi il cause, celui-là? Je m'appelle Kimberly, je m'appelle pas Sammy, d'abord. Et il lui dit, oui, mais j'ai des preuves ADN. J'ai la preuve que vous êtes Sammy, la fille qui a été enlevée alors qu'elle avait 2 ans. Et on suit donc deux temporalités. Donc, on est dans le passé et on suit effectivement la disparition de la petite Sammy. C'est très dynamique. Franchement, le rythme est hyper bien mené. On essaye de suivre ce personnage qui est complètement bouleversé parce qu'elle a, bien sûr, elle connaît son propre passé. On lui apprend qu'elle aura en fait une autre famille et donc elle est un peu choquée, elle veut rencontrer ces gens. On va évidemment voir la rencontre. Enfin, il y a aussi des moments très touchants. Et on va voir comment va réagir sa famille qui l'a éduquée, évidemment. On va essayer de comprendre aussi comment ça se fait qu'elle a été... Est-ce que sa mère l'aurait enlevée ou qu'est-ce que c'est que cette histoire? Enfin, c'est vraiment bizarre. Et on est dans le passé et on suit cette petite famille bien sous tout rapport qui, tout d'un coup, va effectivement voir disparaître la petite fille de 2 ans. J'ai trouvé ça passionnant, comme je vous le dis, le rythme est super bien maîtrisé. On a vraiment envie de savoir... qu'est-ce qui va se passer, même humainement, on essaye de voir, parce qu'on est dans une situation complètement incongrue, qu'est-ce qui se passe dans sa tête à Kimberly quand elle apprend qu'en fait, ce qu'elle a toujours cru, ben, en fait, c'est pas la vérité. Et donc elle va rencontrer sa famille petit à petit, enfin je vous laisse évidemment découvrir qui elle va rencontrer, mais c'est vraiment super, super haletant, je trouve cette histoire, c'est super intriguant, parce que je trouve ça très original. Les révélations sont vraiment chouettes. J'avais des petites théories et l'auteur a réussi à me bluffer et j'en suis vraiment ravie. Je vous ai dit, hein, je fais partie des gens qui sont super heureux quand ils ne découvrent pas la révélation. Et là, je peux vous dire que Kristen Wiig, je suis prête à lui envoyer une lettre pour lui demander sa main, quoi, parce que j'en pouvais plus de toujours tout deviner. Et là, je suis trop contente. Voilà. Et donc, quand j'ai terminé cette lecture, j'étais tellement trop euphorique d'avoir rien deviné que je me suis rendu compte quand j'avais un autre livre de l'auteur et donc j'ai commencé L'épouse et la veuve, enfin commencé la fille,
elle a presque terminé. J'ai commencé L'épouse et la veuve, qui est aussi super intriguant, je passe un super moment. Je ne sais pas si c'est un bon plan, honnêtement, de lire deux fois le même auteur, l'un à la suite de l'autre, qui plus est pour des policiers, parce que j'ai l'impression que... Je sais pas si c'est une bonne idée, honnêtement, d'avoir fait ça, mais en tout cas, je trouve l'histoire hyper intrigante. Ici, on va suivre un personnage, deux personnages, on va suivre Kate... qui vit avec sa petite fille de 10 ans et son mari. Et son mari va partir à un voyage d'affaires et il va l'appeler de la chambre d'hôtel. Il lui dit oui, je rentre demain. Et en fait, quand elle arrive à l'aéroport, elle se rend compte qu'il n'est pas là. Et donc, en fait, son mari a disparu et elle va partir à sa recherche. Et parallèlement, on va suivre l'histoire de Abby qui est mariée, qui a deux enfants, adolescents. Et elle est mariée à Ray et elle va se poser quelques questions sur son mari parce qu'elle a l'impression qu'il lui ment pour certaines choses. Mais je vous en dis pas plus parce qu'en fait, on est vraiment là, je suis au trois quarts. Donc ce que je vous dis, je pense que ça se passe sur la première partie ici, mais j'ai pas envie de vous y en dire beaucoup plus. Voilà. Sinon, j'ai recommencé doucement la lecture du Anthony Trollope, que je n'ai toujours pas terminé, donc je peux toujours pas vous parler de la fin de ce livre. Mais je suis ravie d'y retourner et j'ai commencé. Je me suis dit que j'avais envie de me lire un livre un peu printanier, un peu doudou et surtout quelque chose en anglais, parce que ça fait longtemps que j'ai plus lu de livres anglais, j'en ai beaucoup. J'en accumule un petit peu avec des abonnements notamment et je vous avoue que j'ai envie de me replonger dans l'anglais parce que ça fait longtemps. Et donc j'ai commencé Emily of New Moon de Lucy Maud Montgomery, c'est elle qui a écrit Anne de Green Gables. Et en fait j'avais vraiment envie de lire celui-là parce qu'on est vraiment dans une ambiance printanière. Enfin, déjà ici la petite fille qui lit ses livres au pied d'un pommier. C'est l'histoire d'une petite fille, Emily... Sans blague, Emily of New Moon, c'est l'histoire d'Emily. C'est l'histoire d'une petite fille, Emily, qui vit avec son père et une gouvernante, une nanny, je sais pas exactement son rôle, en gros, elle aide dans la famille, etc. Et cette petite fille apprend au début du roman que son père va mourir et donc très tôt, bah, ici à la fin du deuxième chapitre, son père meurt et donc elle va être éduquée par la famille de sa mère. J'ai l'impression que ça va être vraiment un bon enfant. Au début j'aimais pas trop le personnage d'Emily et maintenant je pense que ça va, c'est juste que... En fait, on parle à un moment d'un personnage, alors c'est un livre, je précise, qui a été écrit dans les années 20, hein, 1923, je crois qu'il est sorti pour la première édition. Et en fait c'est un livre, bah, forcément, à l'époque... Bah, on insiste énormément sur la corpulence d'un personnage féminin qu'on rencontre au tout début du livre. On insiste énormément sur sa corpulence, on parle tout le temps du fait qu'elle est fat, and mean and fat, et il y a genre, là je suis au chapitre 3 et on va dire 10 fois qu'elle est fat et qu'elle dit des trucs pas bien. Je sais qu'elle est pas toujours très subtile dans tout ce qu'elle dit, enfin je trouve qu'elle est pas toujours subtile dans tout ce qu'elle dit, mais visiblement c'est une femme qui a plutôt un bon fond, mais on parle tout le temps du fait qu'elle est maladroite dans ses mots et que surtout elle est fat. Ça m'embête un peu quand on insiste à ce point-là en fait sur sa corpulence et qu'on la... Ouais, j'avoue que j'ai un peu du mal avec ça. Bon, écoutez, c'est tout ce que je voulais vous dire. Insert dans la vidéo, ou plutôt gros insert dans la vidéo, puisque j'ai décidé aujourd'hui de vous présenter ma pile à lire pour le mois de la fantasy. En fait, je pensais pas forcément participer au mois de la fantasy, parce que déjà je suis dans une phase thriller et je me suis dit oui, d'ici le mois de mai, peut-être que je serai pas dans une phase fantasy. Et en fait j'ai regardé la vidéo de Steph et j'avoue que ce qu'elle propose me plaît bien. Et c'est vrai qu'il y a pas mal de livres qui rentrent parfaitement dans ces petites catégories qui me donnent bien envie. Donc voilà, c'est pour ça que je vous fais un petit insert ici avec ma pile à lire du mois de la fantasy. J'ai pas fait de vidéo toute seule parce que j'avais plein d'idées. En fait, quand elle a publié sa vidéo
du mois de la fantaisie, j'ai eu plein d'idées pour faire un truc sympa, pour une petite vidéo, mais j'aurai pas le temps de le faire, donc tant pis, ce sera pour l'année prochaine. Mais du coup, je vous la présente ici dans ce vlog. Puis l'autre raison qui fait que je vais pas faire une vidéo toute seule pour le mois de la fantaisie, c'est que, y a rien de fou dans ma pile à lire, vraiment, c'est pas original, il y a vraiment plein de trucs que vous connaissez, que vous avez vu partout. Je pense pas que ça va vraiment vous inspirer. Je suis pas quelqu'un de très fiable au niveau des challenges, hein, vous le savez si vous me suivez depuis un moment, mais je me suis fait plaisir à mettre des petites choses dans les catégories, mais je vous avoue que je suis pas... Je vais pas forcément tout lire, hein. Je vais essayer peut-être de valider, allez, un livre par catégorie, ça peut être sympa. Lire 4 livres de fantasy, pour moi ça va faire beaucoup, hein, sur un mois, parce que ça fait longtemps que j'en ai plus lu, même si j'aime beaucoup ça. Donc si vous avez cliqué sur cette vidéo juste pour regarder la pile à lire, eh bien salut. Voilà. Je regarde un peu vers le bas parce que c'est là que j'ai mis tous les livres et toutes les catégories. Je trouve vraiment cool ce qu'elle a choisi, Steph. Donc pour la catégorie, je vais commencer par la catégorie de l'eau. C'est celle pour laquelle j'ai le plus de livres. Alors la première catégorie, c'est donc voguer sur les flots. Je vous dis, ma pile à lire est pas folle, hein, donc c'est vraiment des trucs que vous avez vu partout. C'est pour ça que je me permets de la fourrer dans mon vlog. Donc j'ai mis Steam Stellar, que j'ai acheté il y a pas très longtemps, qui est un tome 1 de l'héliotrope. Et c'est un livre qui m'a été recommandé par ma copine Laura, et elle dit que c'est vraiment super chouette. C'est un roman d'aventure autour de la piraterie, il n'y a pas forcément de romance dedans, et je vous avoue c'est peut-être une des lectures qui me tente le plus, parce que je vous avoue que là, de la fantasy young adult, ça me tente bien, mais je suis pas en mood romance là. Donc s'il y a une romance dedans, je sais pas si ça va m'enchanter, et je pense que là-dedans il n'y en a pas forcément, donc c'est ça qui peut m'enthousiasmer. Une des raisons aussi pour lesquelles je ne fais pas une vidéo toute seule, stylisée et tout ça, c'est que en fait moi j'ai beaucoup de mal à résumer des livres que je n'ai pas lus, mais la fantasy c'est tellement dur à résumer quand tu l'as pas lu. Déjà quand tu l'as lu c'est compliqué. Donc voilà pour le premier, j'en ai mis plusieurs dans cette catégorie, c'est vraiment la catégorie qui m'inspire le plus. Il y a aussi un livre que j'ai reçu pour mon anniversaire, c'est Le Trône des Sept Îles de Adeline Gray. Ça fait un moment que j'ai envie de le lire. Je sais que j'avais une phase où j'avais envie de lire des trucs autour de la mer, univers marin. Et si on est avec un royaume, des trahisons, une princesse, j'imagine qu'on va être un peu sur la mer, sur la mer, qu'on va voguer un petit peu, qu'on va rencontrer des pirates puisqu'on a des petits crânes, on a un petit bateau, enfin je pense qu'on est dans l'ambiance, je viens de me baffer avec le livre. J'ai mis encore un autre parce que sinon c'est pas drôle. J'ai mis un livre qui était dans ma wishlist, non dans ma pile à lire du printemps, et dedans j'ai mis ceci qui est un livre en anglais. Vous allez voir, il y a plusieurs livres en anglais dans cette sélection, le challenge ce sera d'en lire un. Ce serait cool, alors je vais pas tous les lire, hein, faut pas exagérer non plus. Mais si j'en lis un, je serais trop contente, si c'est celui-là, bah tant mieux. Alors deuxième catégorie, c'est Alchimie. Et dans Alchimie, j'ai mis le livre le plus évident, hein, puisque dans Alchimie, il y avait magie, sorcellerie, druidisme. Et du coup, j'ai mis druide, qui était déjà dans une pile à lire il y a X ans. J'ai toujours pas découvert, moi, Olivier Perroux, ça fait beaucoup d'auteurs, hein, de fantasy que j'ai jamais découvert. J'ai toujours pas découvert cet auteur, et je vous avoue que ça me tente bien. Et il paraît ici que c'est un peu du thriller, mais dans un monde fantasy. Enfin, une enquête policière dans un monde fantasy. Et je vous avoue que ça a l'air vraiment sympa. Voilà, donc je suis bien intriguée par celui-là. Tiens bon la vague, il faut lire une saga. Et alors j'ai mis le tome 1 des Salauds Gentilhommes, mais comme je vous l'ai dit, je suis quand même quelqu'un de très changeant, donc peut-être que j'aurai envie de lire un autre tome de saga. J'ai mis donc les Salauds Gentilhommes, c'est bien ça. Il paraît que c'est un truc un peu à la Six of Crows peut-être. Donc ce sont des salauds gentilhommes, enfin je pense que le titre est plutôt explicite. Et le deuxième que j'ai mis, c'est Les Chroniques Crépusculaires de Mathieu Gaborit. C'est un livre que j'ai acheté il n'y a pas longtemps du tout. Celui-là me tente bien aussi. Alors je pourrais pas vous le résumer, hein, comme d'hab, hein, mais ça fait un moment que... Ouais, je crois que c'est qui? C'est Lizzie de Two-Face Lizzie qui parle souvent de Mathieu Gaborit. Elle dit qu'elle adore ce qu'il fait. Et du coup j'aurais bien envie de lire ça, même si la couverture est immonde. Mais c'est pas grave. Passe-t-on à la catégorie de la Terre. J'ai fait facile pour cette catégorie. Donc la première catégorie pour la Terre, c'est le petit peuple. Donc lire un livre avec des fées, des lutins, enfin des petits êtres. Moi j'ai mis minuscules parce que ben ils sont minuscules. C'est des petits gens. Sinon j'aurais pu mettre le Hobbit, mais je l'ai déjà lu, donc voilà.
J'ai mis minuscule le Takuto Kashiki, pardon, excusez-moi. Ça fait longtemps que je vous le présente dans des piles à lire et j'ai toujours pas lu alors que c'est un manga, enfin ça se lit super vite. Découvrons le monde. J'ai mis, alors là vous allez voir, je suis vraiment pas originale, mais j'ai acheté récemment L'éducation meurtrière de Naomi Novik. Et je vous avoue que je suis très très intriguée par cette lecture. J'aurais pu mettre La 9e porte, non. The Night... Mais si c'est La 9e porte? Je confonds avec le film avec Johnny Depp. La fenêtre, non. Attends, The Night Gate, je crois que c'est ça, hein. De Leigh Bardugo, qui est quand même assez connu. J'aurais pu mettre celui-là, mais c'est une énorme pavasse et je sais pas si j'aurais le temps de lire tout ça. Et celui-là, il est pas très long et il a l'air assez chouette et assez original. Donc ici, on est à Sholomance, une école pour les surdoués de la magie où l'échec signifie la mort. Ça a l'air bien trash. Et je vous avoue que c'est le genre de livre qui me ferait une très belle transition entre mes lectures de thriller, parce que là, je suis en train d'enquiller des policiers, entre mes lectures de policiers et passer à la fantasy. Bah, je pense que c'est le genre de livre qui ferait bien la transition. Ensuite, pour la troisième mini-catégorie, c'est Les doigts dans la boue. Et là, j'ai mis... donc, il faut lire un livre, tout ce qui concerne le art graphique... peut-être lire un album, tout ce qui concerne les arts. Et j'ai mis un livre anglais, pareil, je vous ai dit, si je lis un livre anglais ce mois-ci, je serai hyper contente. Et du coup, j'ai mis A Forgery of Roses de Jessica S. Olson. C'est un livre qui rentre dans la catégorie puisqu'on va parler d'une artiste peintre. Et je pense qu'on est dans un univers fantasy et on a quand même un très beau livre. Il est trop beau, je l'ai eu dans la Haul Crate. Qui est, je crois que c'était le mois passé, qui c'était autour de l'art. C'était une Haul Crate qui m'intéressait beaucoup. Et donc, ouais, j'ai eu ce livre-là, je suis trop contente. Et alors, je vous dis un peu de quoi ça parle, puisque l'autrice a fait une présentation de son livre. On nous dit qu'il y a des portraits magiques, hein, c'est le thème principal, puisque c'est l'héroïne qui est peintre. On nous dit qu'il y a une romance, un amour interdit. On nous dit qu'il y a visiblement quelqu'un qui est atteint d'une maladie mentale. On a des dangereux family secrets, des dangereux secrets de famille. On a du meurtre, de la passion, de la noirceur. Et it's a portrait, c'est un portrait peint avec du sang. Voilà, ça a l'air vraiment cool. Enfin, franchement, ça a l'air très très dark. Et pareil, ça pourrait faire une belle transition, mais je suis déjà dans une lecture VO, donc je vais éviter de lire deux livres VO à la suite. Ensuite, pour la catégorie du feu, se brûler les ailes. Alors, ils font un défi. Alors, le défi, ça peut être de lire des livres anglais en soi. Hein. Mais j'ai mis un gros défi. J'ai mis un livre offert par mon beau-frère qui m'a offert ce livre. Et à chaque fois, il a toujours pas compris. À chaque fois qu'il me voit, il fait « Est-ce que tu as lu le livre ?» Mais non. Voilà. Je crois que les gens qui m'offrent des livres depuis longtemps savent que c'est... Enfin, parfois, je mets du temps avant de lire les livres qu'ils m'offrent puisque... J'en ai beaucoup. Mais je suis à chaque fois gênée de lui dire non, je ne l'ai pas encore lu. Et du coup, c'est pas que pour ça, mais j'ai aussi envie de le lire. C'est Elantris de Brandon Sanderson. C'est de la fantasy ambitieuse qui ne néglige pas pour autant le plaisir de la lecture. Bah, j'espère bien, merci. Coup de théâtre, subtilité rare. Enfin, ça a l'air vraiment très très chouette, mais c'est un gros pavé. Et sachant quand même, je dois vous l'avouer, que je n'ai toujours pas commencé Middlemarch qui fait 1000 pages. Donc. C'est hyper ambitieux là ce que je fais, mais bon, on sait très bien que moi les piles à lire, si j'en lis deux, c'est déjà fantastique. Ensuite, c'est chaud patate, un pavé ou une pavasse. Du coup, j'ai mis un livre qui me tente beaucoup, bah, j'ai mis que des trucs qui me tentent hein, de toute façon. J'ai mis La guerre du pavot de R.F. Kuang, publié chez Actes Sud. C'est un livre qui aurait pu rentrer aussi dans la catégorie école, apprentissage. Oui, le voisin déménage, c'est pas grave, il y a beaucoup de bruit. Raison pour laquelle j'aurais pas pu faire non plus cette pile à lire en vidéo solo. On nous dit que c'est un roman de formation évoquant les meilleures pages d'Harry Potter et avec un côté fantasy militaire. Écoutez, moi ça me tombe pas mal du tout, hein. Oui, c'est un pavé, il a presque 600 pages, mais ça fait un moment là qu'il est dans cette pile à lire. Lire un livre orangé, et j'ai mis Codex Alera de Tim Butcher, qui est un livre qui a été recommandé par Kaamelott Magicadou. Ça fait un moment qu'elle en a parlé en disant que c'était passionnant. Elle en a tellement bien parlé que ça m'a tenté, à moins que ce soit Steph des chroniques livresques, je ne sais plus. Une histoire de furie, de puissance magique et des éléments, mais je ne sais pas trop. Et il y a du orange sur la couverture, il paraît que c'est hyper page-turner, ce qui pourrait être un bon,
une bonne transition pareil avec un roman policier. Et alors l'autre que j'ai mis, c'est L'Empire d'écume. C'est pour ça que franchement c'est pile à lire, n'a rien d'original. L'Empire d'écume, ça fait longtemps que je l'ai acheté celui-là. Je pense que j'aurais pu le demander à la maison d'édition, mais j'avais tellement envie de l'acheter que je l'ai acheté forcément. À l'époque j'avais pu l'avoir en hardback. Je suis pas très fan au final des hardbacks, je sais pas pourquoi je continue à de temps en temps en acheter, parce que je trouve ça très embêtant puisque je suis tout le temps dans les transports moi et j'ai des problèmes au dos, donc c'est beaucoup plus lourd hein, les hardbacks, et en plus je trouve pas ça très confortable. Le seul truc c'est qu'il reste ouvert le livre, c'est le seul avantage, mais et que c'est joli aussi, mais je trouve sinon c'est très lourd quoi. Donc ici, est-ce que je vais vraiment chercher de quoi ça parle? On est dans un empire contrôlé par la magie des eaux. Je me souviens d'une histoire, mais pas des eaux water, mais des eaux les bones quoi, enfin les eaux plutôt, les eaux. Lynn, on va suivre Lynn, la fille de l'empereur, ça a l'air vraiment cool. On nous dit que c'est un des meilleurs romans de fantasy. Bon, c'est Sarah J. Maas et je suis pas hyper fan de Sarah J. Maas qui le dit, mais bon, quand même. Bon, bah voilà, moi ça me tente beaucoup. J'ai entendu nulle part des avis négatifs. Enfin, j'ai jamais entendu d'avis négatifs et ça a l'air trop trop bien. Alors, on va passer à la catégorie de l'air. Le premier, c'est Léger comme l'air, il faut lire un livre de poche. Et là, j'ai mis La chambre de Naomi de Jonathan Haycliffe. C'est du fantastique, mais dans le mois de la fantasy, on peut lire aussi du fantastique. En fait, je sais pas du tout de quoi ça parle. Ça fait un moment qu'il est dans ma pile à lire et je sais pas de quoi ça parle. Et je vous avoue que j'ai pas envie de regarder de quoi ça parle, donc j'ai envie d'avoir la totale surprise. Ensuite, en deuxième, Créature ailée. Et là, j'ai choisi L'ours et le rossignol. Alors, c'est un livre que je voulais lire en hiver, mais bah voilà, j'ai toujours pas lu, donc voilà. Et c'est un livre qui a eu un succès incroyable dans le milieu littéraire anglophone. Du côté francophone, ça commence aussi. Je pense qu'on en a quand même pas mal parlé, mais c'est surtout sur les chaînes anglophones, j'en ai énormément entendu parler. Dommage que la couverture soit moins belle que la VO. Voilà, ici on est sur un conte, une histoire inspirée d'un conte russe, semble-t-il. On va suivre un personnage qui écoute, une jeune fille qui écoute souvent avec ses frères et sœurs les contes de Dounia, la vieille servante. Et en fait, c'est un personnage qui voit les esprits protecteurs de la maison. Ça a l'air vraiment chouette. Et la dernière catégorie, c'est Apprendre à voler, littérature jeunesse. Et là, j'ai mis un autre livre qui était dans ma pile à lire du mois de mai. Donc, je recycle ma pile à lire du printemps plutôt. Je recycle ma pile à lire du printemps. Et en même temps, le mois de mai, on est en plein printemps. Donc, autant que je mette les livres qu'il y avait dans ma pile à lire. Il s'agit de Restless Girl. Je vous en ai parlé un milliard de fois. C'est une réécriture des 12 princesses. Ou non, des 6 signes. À chaque fois, je me plante. Isabelle, c'est les 12 princesses ou les 6 signes? À chaque fois, j'ai cette conversation avec moi-même. Je crois que j'avais feuilleté, j'avais vu des princesses et je trouvais qu'il y en avait beaucoup. Donc c'est bien possible que ce soit les 12 princesses. Et donc c'est une réécriture engagée, féministe, de ce conte par Jessie Burton, qui est une autrice que j'aime beaucoup, que j'ai découverte dans Les secrets de ma mère, je crois, qui est un de mes romans préférés que j'ai lu en 2020 ou 2021, je ne sais plus. Une lecture que j'ai adorée. Et comment vous dire, bah voilà, c'est la dernière lecture. C'est tout pour cette petite pile à lire. Je vous renvoie à la fin de mon vlog. Écoutez, je crois que je vais clôturer ce vlog. J'ai parlé quand même de pas mal de lectures. Donc je vais essayer de vous publier cette vidéo plutôt dimanche. Je pensais le faire jeudi, mais ce sera dimanche plutôt. Voilà. J'espère de tout cœur que cette vidéo vous aura plu. Je vous retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo qui sera je ne sais pas encore laquelle. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao !